Salut à tous les amis, Cédric Cise. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Nous sommes avec le SAMU de Melun. Je vous fais cette petite intro car aujourd'hui, j'aurai même pas le temps de vous parler tellement c'est chaud. Restez jusqu'à la fin, c'était Cédric Cise. Bon visionnage. Ok, une jambe cassée. Eh ben, c'est parti, on y va. Allez, viens la camarade. Dépêche-toi là. Et il court pas le copain. Allez les gars, nous prenons la première intervention de cette garde avec le SMUR de Melun. Pour une jambe cassée, donc c'est parti, allez, on se dépêche. Vous avez vu la belle petite UMH, hein, l'unité mobile hospitalière, et franchement, c'est plutôt sympathique. Pourquoi les SMUR de Melun? Bah, comme je vous l'ai dit, tout simplement, j'habite en Seine-et-Marne, et c'est clairement l'une des plus grosses villes. Et vu que je suis pas très loin en Seine-et-Marne, bah voilà pourquoi. Allez, c'est parti, on y va les gars, j'ai 1 km à parcourir pour arriver sur mon intervention. Je ne suis pas certain d'avoir les sapeurs-pompiers d'engager, alors je vais tout de suite faire partir un VSAV. Hop. Ok, parfait. Allez, je me dépêche, je vais paramétrer mon VSAV tout de suite. En attendant de partir, hein. Hop, regardez, hop, je mets Fireman 2. En véhicule, on va leur mettre un petit VSAV. Et on les fait dispatch. Hop là. Parfait. Allez, j'ai un VSAV qui sera engagé. Alors, attendez, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Voilà, voilà, voilà. Attention, on va éviter d'abîmer l'UMH. Bon, c'est pas grave. Pas de VSAV, du coup, pour cette intervention-là. Nous, les gars, on arrive sur la zone de l'intervention. C'est là-bas. Ah si, d'accord, il est là-bas, le VSAV. Très bien. Hop. Ok, c'est ici apparemment. Ok, très bien. Je suis avec mon collègue là, mon VSAV. Je vais lui dire de se garer. Ah bah d'accord, bah il me l'a pas compté. Très bien. En tout cas, nous on va prendre le sac PS. On va aller à la rencontre de la victime. Hop, ce serait derrière apparemment. Bonjour madame. Ok, c'est derrière normalement. Ok, une jambe cassée, c'est ici. Madame, bonjour, c'est le médecin du SAMU. Ok, on va tenter de faire un bilan rapide. Allez les gars, donc normalement on part pour une jambe cassée. Donc on va mettre une attelle. On va médicamenter si jamais c'est trop douloureux. Hop, en plus je suis médecin. Ouais, broken leg, ok très bien. Hop, on va lui mettre un painkiller. C'est tout simplement quelque chose pour la douleur. Et splint, qu'est-ce que c'est déjà splint? On va regarder ça tout de suite. Enfin, broken arm, d'accord, donc c'est très certainement une attelle, hein. Donc on va la transporter nous-mêmes, on va pas la faire transporter par les sapeurs-pompiers. Je vais la mettre sous oxygène également parce que la douleur ça l'a quand même pas mal travaillé. Hop, donc c'est parti les gars. Je vais ramasser mon sac, aller récupérer mon brancard. Et puis on va rouler directement vers le centre hospitalier. Je vais éviter de marcher sur la dame quand même, hein. Les sapeurs-pompiers n'auront servi à rien pour cette intervention là. Ce n'est pas grave, hein. Que voulez-vous? Hop. Voilà, par contre, ils sont en train de se faire abîmer leur VSAV. Donc, ce serait dommage qu'ils soient obligés de faire un compte-rendu à cause de ça. Nous, on va vite aller mettre la personne sur le brancard et puis on transporte à l'hôpital. Parfait. Allez, on va vite dans l'ambulance maintenant. Et puis, on roule jusque l'hôpital où nous sommes partis, donc le centre hospitalier de Melun. Le collègue, on lui a toujours pas donné de nom, ce sera Stéphane aujourd'hui. Allez, c'est parti. Stéphane, c'est vraiment le nom qui ressort le plus souvent sur ma chaîne YouTube, hein. Oh là, qu'est-ce qu'il nous fait lui là-bas le copain. Allez, je me dépêche. Le problème c'est que je peux pas courir avec le brancard. Puis même ce serait vraiment dangereux. Hop, on va la mettre tout de suite là-dedans. Poutine ambulante. Parfait. Allez, on y va Stéphane. Voilà, je suis bloqué. On y va. On roule vers le centre hospitalier. Allez, monte là-dedans. Donc c'est parti, on roule à l'hôpital. On va ici tout simplement. Donc celui d'où nous venons, hein. On va passer par là-bas parce que les sapeurs-pompiers bloquent la circulation actuellement. Je vais pas forcément y aller avec le doton tout le temps. Ok, super, normalement d'ici quelques secondes je devrais arriver sur le centre hospitalier et tout simplement être de nouveau disponible pour une nouvelle intervention. L'hôpital est en vue. 150 mètres. Oh, il y a un autre VSAV qui se présente de l'autre côté. Allez, hop, regardez.
Impeccable, on va aller ici tout simplement. Oh là, il y a pas mal de VSAV là sur, sur l'hôpital déjà. Ok, super. Hop, on dépose la victime. Hop, rétriche patiente. Ça me met un aéri à chaque fois. Allez, hop. Et puis nous les gars, on dépose la personne et fin d'intervention. Little Séoul, une ambulance demandée. Eh ben c'est parti les gars, nouvelle intervention avec le SMUR. Juste à côté en plus, juste à côté, il faut le noter. À 300 mètres de là. Est-ce que j'ai un VSAV d'engagé? Je ne sais pas, on va y aller comme ça. On va pas se prendre la tête à en demander un. Parce qu'on est beaucoup plus près que les sapeurs-pompiers. Donc si jamais ils ne sont pas engagés, nous, nous arriverons forcément avant. Et comme ça, ça permet de conserver certainement l'armement d'un FPT si c'est nécessaire. Ok, allez. Est-ce que j'ai des gyros secondaires sur cette ambulance-là? Je suis pas certain. Ok, allez, on arrive, on est sur zone. Je vais demander, moi, les gars, la police. Parce que, tout simplement, bah, on peut à tout moment se faire percuter. Là, on est sur la voie publique. Madame, bonjour. C'est le médecin du SAMU. Ok. Je vais prendre mon sac PS. On va faire un bilan rapide, là. On va vraiment essayer de se dépêcher. La police nationale se présente sur place, les gars. Ils vont sécuriser la zone de l'intervention. C'est très bien. Allez, on fait un bilan rapide, là, histoire de savoir ce qu'il se passe. Regardez, SMUR Melun, SAMU 77. Voilà, voilà. Voilà, que se passe-t-il là-bas? Bon, bah, ils se débrouillent entre eux. Ok, très bien. J'ai pas vu ce qu'il y avait. Open fracture, une fracture ouverte, d'accord. Il y a une hémorragie. Hop, on va mettre un garrot tourniquet tout de suite, un geste de sauvegarde. On va mettre des bandages. Hop, des bandages tout de suite. Ok, l'hémorragie est stoppée. Eh ben heureusement qu'on est parti rapidement. On va la mettre sous oxygène. Bon, le policier, il est revenu. Le collègue, lui, bah, il est là aussi. C'est très bien. Allez, on va refaire un tour des constantes. Ça, c'est bon. On va remettre sous oxygène. On va mettre un 5-pack. Et puis, on va rouler directement en direction du centre hospitalier, les gars. Hop, oxygène. On va l'intuber, cette dame, également. Trachéal intubation. Hop, qu'est-ce que ça dit du coup? Ça. Ok, bah au final il me demande de l'intuber. On va la mettre à 15 litres minute du coup. Hop, et on va remettre un 5-pack. Et puis ce sera bon pour nous. On va pouvoir retourner à l'hôpital. Elle est stable pour le transport. Allez, je récupère mon sac. Je le remets dans l'UMH. Et puis on va aller directement au centre hospitalier. Hop. Ok, parfait. Pour nous c'est tout bon. Pour toi le collègue, merci d'avoir sécurisé la zone. Tu peux y aller. Parfait, le collègue de la police nationale se retire. Nous les gars, on transporte la victime au centre hospitalier, c'est juste derrière hein. Hop, je me présente au centre hospitalier. On va, pareil que tout à l'heure, descendre la victime, la déposer à l'équipe médicale. Hop. On va aller par là-bas. Et puis les gars, on est déjà à deux interventions hein. On est déjà à deux interventions. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, je n'ai pas mis la facecam. Alors si jamais vous trouvez que c'est mieux ou moins bien, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. On va ranger le brancard. Et puis on va se remettre immédiatement disponible pour une nouvelle intervention. Hop. Et c'est parfait les gars. Regardez un petit peu l'intérieur de l'UMH. C'est comme ça, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. On a le brancard, on a du matériel ici, des sacs, des fauteuils pour l'équipe médicale, le médecin et l'infirmier, donc c'est moi hein. Et ici du matériel, le mid, l'aspirateur à mucosité, le multiparamétrique juste là, des petits gels hydroalcooliques, du sopalin, enfin, on a pas mal de matériel, les tiroirs remplis de médicaments et tout. C'est vraiment pas trop mal. Allez, ce que l'on va faire, c'est que nous allons nous regarder à côté et puis attendre la prochaine intervention. Any available Vinewood unit? We have a medical emergency in West Vinewood. Ok, ça roule. Une crise d'asthme en progrès. Enfin, en cours plutôt, pas en progrès. Enfin, une progresse, mais une crise d'asthme en cours, les gars. On se dépêche de se rendre sur place là.
On va vraiment aller au plus vite, hein. On va médicaliser au plus vite. Là, pour information, une crise d'asthme, si la personne n'a pas de ventoline, elle peut décéder, hein. Elle peut décéder, donc là, on va vraiment essayer de se dépêcher. C'est juste à côté de là où nous étions en intervention tout à l'heure, la première de la journée. Je sens qu'aujourd'hui, ça va être chaud, chaud, chaud avec le SMUR de Melun, hein. Immersion avec le SAMU 77, hein. Ok. Ce sera à droite. On va éviter de cartonner, hein, aussi. Ok, parfait. C'est où, c'est où? Oh, c'est dans la même rue que tout à l'heure. Sauf que c'est une maison un petit peu plus loin. Et vous avez vu, les gars, aujourd'hui, il y a plein d'interventions variées, hein. Je fais pas que des arrêts cardio-respiratoires ou des trucs comme ça, hein. On fait plein de trucs. Ok. On est arrivé sur la zone de l'intervention. On va aller voir ce qui se passe. Bonjour, c'est le SAMU. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, madame, c'est vous. Venez avec moi. On va aller dans l'ambulance tranquillement. Allez-y, montez dans l'ambulance, hein. Installez-vous. On va l'installer tout de suite au chaud. Installez-vous, madame. Ok, parfait. Oh là, bon bah très bien, elle me ferme la porte dessus. Et les gars, là, nous, on va transporter directement sans transition, on va rouler, hein. On va pas attendre qu'elle soit dans un état très critique. On va sur l'hôpital de Melun, 1,22 km. En bas à droite, vous voyez la vie de la personne qui descend quand même très très vite, hein. Donc là, c'est une question de minutes, voire même 2 secondes. Donc on va vraiment essayer d'aller au plus vite possible. Ah ouais, elle descend vachement vite sa vie. On va éviter d'avoir des impacts ou des chocs trop, trop forts. J'y vais en full de ton gyro là. Comme ça on se fait bien entendre, on se fait bien voir. Et la personne, on maximise ses chances de survie. 700 mètres, tout se passe pour le mieux pour le moment. Elle arrive à la moitié de sa barre. Normalement ça devrait bien se terminer, enfin je l'espère, hein. En tant que médecin du SMUR urgentiste, je fais mon possible pour que cette femme arrive en vie aux urgences et qu'elle en sorte vivante également. Attention, attention là, on va éviter de se planter. Ok, on va aller là-bas, on va déposer la femme. Et c'est parfait. Ok, madame, on est arrivé à l'hôpital là. Mes collègues vont vous prendre en charge, tout va bien se passer. Je vais ouvrir les portes quand même, hein. Hop. Thank you. Allez-y, voilà, madame, descendez. Mon collègue va vous prendre en charge. Bon rétablissement. Ok, les gars, tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. Est-ce que je peux ouvrir le coffre histoire de vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur? Alors attendez, là, il y a un truc qui vient de planter. LSPD FR. Bon bah, on redémarre LSPD FR, on se retrouve tout de suite. An ambulance requested. Ok. Ok, très bien les gars. On vient d'avoir une nouvelle intervention là, très grave. Apparemment, on part pour une tornade. Donc il y aurait semblablement des blessés. On part là-bas. Ok, ça fait un petit peu de route quand même. Quasiment 4 km. Donc c'est parti, on se dépêche de se rendre sur place. Une tornade, 4 km. Je me rends sur place. Est-ce qu'il y a des victimes? Je n'en ai aucune idée. Donc je vais tout de suite envoyer les sapeurs-pompiers. Nous sommes toujours en route pour aller sur la zone de l'intervention, donc sur la tornade, les gars. Les sapeurs-pompiers ont été engagés parce que j'ai demandé à ce qu'ils engagent au moins un VSAV à nos côtés, là, parce qu'il est hors de question que j'arrive sur une zone comme celle-ci sans les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne, hein. Donc là, il y a un VSAV qui est en route. Attention, là-haut. Je sais pas trop où il est. Je crois qu'il est derrière moi et qu'il devrait pas trop tarder non plus. Je suis à un peu plus de 2 km. Il y a pas mal de circulation en plus. J'espère que c'est pas trop grave, hein, et que c'est juste des dégâts matériels. Et je crois que dans le doute, ils engagent une équipe médicale. Mais ça m'étonnerait. Je pense que j'ai quand même au moins une victime pour qu'ils m'engagent, hein. On verra. On va pas se faire de plan sur la comète parce que ça sert à rien. J'ai encore 1,5 km à parcourir avant d'arriver sur place. Et nous allons découvrir ensemble, vous et moi, que s'est-il passé? Y a-t-il des victimes? Si oui, combien? Oh là, je crois qu'il vient d'avoir un accident de la route là devant nous. Bon, on va quand même aller sur notre tornade, hein.
Les SP sont derrière, je crois, parce que sinon je les aurais peut-être croisés ou ils m'auraient peut-être rattrapé. Là, je crois qu'ils sont derrière, ou peut-être bloqués là-bas. Mais après, comme ils venaient, je crois, de plus loin et qu'ils ont été déclenchés après moi, c'est un petit peu plus long pour eux. Allez, j'arrive sur place. En tout cas, moi, je ne vois pas de dégâts. Je vois pas de tornade. Donc, ça veut dire que l'événement est peut-être terminé. Je vois une personne au sol. Deux personnes au sol. 3, 4, 5. Oh les gars, il y a plein de victimes. Il y a plein de victimes. Ok, très bien. 6, 7. Ok, tout de suite. Tout de suite, je stoppe la circulation. Ok. Je stoppe le trafic. Je vais recenser toutes mes victimes. Je vais demander des moyens supplémentaires. Mon VSAV, il va ici. Ok, là j'ai 1, 2, 3 victimes. 3 victimes. 4, 5, 6. 7. Ok, 7 victimes, 8, 9, 10, une dixième là-bas, 10 victimes. Ok, j'ai 10 victimes les gars, 10 victimes. Je vais demander des moyens sapeurs-pompiers supplémentaires, parce que là sinon je vais pas m'en sortir. Je peux pas traiter toutes ces personnes-là moi, hein. Vous en doutez bien. Le VSAV va venir ici. Je fais stop trafic dans la zone, moi. Ok, on va commencer à prendre en charge les personnes. Je vais demander des VSAV supplémentaires. Hop. Air ambulance. Ambulance. Assistance required in Chumash. Est-ce qu'ils peuvent se poser ici? Est-ce qu'ils peuvent se poser? Ok, je vais lui dire de se poser ici. Ok. Il y a le dragon qui arrive. Il y a mon VSAV là-bas. Je vais dire au VSAV de descendre. Là les gars, moi je coordonne un petit peu les équipes médicales, hein. Je demande des VSAV supplémentaires. Je vais leur dire de descendre. Ok. Ok, il y a un VSAV qui arrive là-bas. Il y a le dragon qui se pose. Ok, vous me prenez en charge les victimes, hein. Vous me prenez en charge tout le monde là. Regardez, l'hélicoptère est juste là. J'aimerais éviter que le VSAV se stationne en dessous. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est ce qu'il est exactement en train de faire. Allez les gars, vous me prenez en charge les victimes. Là, vous me faites un bilan. J'en ai recensé 9. Ok, j'ai recensé 9 victimes, moi. Le dragon est en train de se poser. Ok, c'est parfait. Ton VSAV, là, tu vas me le mettre ailleurs. Ou alors, moi, je te le mets ailleurs. Mais il va pas rester là parce qu'il y a d'autres engins qui vont arriver. Et j'aimerais éviter que qu'ils gênent. Hop. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'il y a des victimes partout. Ok, regardez, les gars. Le dragon est en train de prendre en charge des victimes. Le VSAV également. Là-bas, il y en a d'autres encore. Je vais demander des VSAV supplémentaires, hein. Comme ça, tout le monde va être pris en charge. Je vais aller faire une reconnaissance au niveau des habitations, là. Histoire de voir si j'ai des victimes derrière. Ok, je demande un VSAV ici. Parfait. Est-ce que j'ai des victimes dans les véhicules là? Ou est-ce que c'est juste les personnes qui étaient dans la rue? Je vois des dégâts sur le pavillon là. Ok, j'ai rien ici. Au niveau de la plage, moi les gars, je vois rien non plus. J'ai pas de victimes ici. Ok, les VSAV sont en train de faire le boulot. Là-bas, il y en a un autre qui prend en charge les victimes. Apparemment, j'ai pas de blessés graves. C'est juste des blessés légers. J'ai mes moyens qui sont en train de faire le nécessaire. Je vais redemander un VSAV ici. Ok. Sortez du véhicule s'il vous plaît là. Sortez du véhicule. Monsieur. Sortez du véhicule. Ok. Allez vous mettre sur le côté là. Je vais déplacer votre véhicule là. Pour faire faciliter l'accès au secours. Oh là, je vais commencer à bégayer. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ce véhicule il va là. Ok, les sapeurs-pompiers sont en train de prendre en charge les victimes. J'ai les forces de police qui sont sur place. J'ai tous mes VSAV là qui sont également sur place. Mon dragon. Hop. Mon collègue, l'infirmier, est en train de bilanter lui les personnes. Ok. Et le dragon repart. Là j'ai l'impression que tout le monde est pris en charge correctement, hein.
Ok, vous transportez vers le CH Melun, c'est très bien. Regardez, là, j'ai mes moyens qui sont en train de médicaliser les victimes. Ça, c'est parfait. Ok, on stoppe la circulation ici, le temps que toutes les personnes soient prises en charge. Ok, les gars. Celui-là, il roule également sur Melun. C'est parfait. Le dragon, lui, il repart. Allez, vas-y, tu peux y aller, c'est bon. Ok, parfait. 3 survivants, une personne décédée, 2 survivants, une personne décédée. Là, j'ai mon VSAV qui est encore en train de faire le bilan. Ok. Je demande un VSAV supplémentaire, du coup, pour prendre en charge cette victime-là. Moi, je vais prendre mon UMH, les gars. Le collègue est en train de prendre en charge la personne au sol. Et je vais aller voir ce qui se passe tout au bout là-bas. J'ai encore une victime ici. J'en ai une ici. Que je vais charger directement dans mon ambulance. On va pas faire de bilan maintenant, hein. Hop. On fera tout ça à l'hôpital. Là, c'est vraiment de l'urgence de guerre, hein, quasiment. Donc, ok, hop. Ok, c'est bon. Elle est dans l'ambulance. Il y a mon VSAV là-bas qui prend en charge ma victime. C'est parfait tout ça. Là, j'en ai une autre de victime. Je vais leur dire au VSAV. Prenez la victime qui est là-bas. Ok. Ça, les gars, ce sont certainement les blessés graves. Le VSAV prend en charge la victime là-bas. Hop. Il y a les collègues ici qui vont se charger de ça. Nous, avec Stéphane, on va retourner au centre hospitalier transporter la victime que j'ai chargée dans l'ambulance. Allez, Stéphane, viens là, dépêche-toi là. On va à l'hôpital, on se dépêche, nous. J'arrive sur le centre hospitalier d'ici quelques secondes. Et là, je bombarde, hein. J'ai roulé comme un fou toute la route. Avec le magnifique SMUR de Melun. Ok, super. Allez, on va déposer la personne. Et puis pour nous, les gars, ça va être une fin d'intervention. On va être pas trop mal, hein. Hop. Et c'est parti, on la dépose ici, cette femme. Allez. Et puis pour nous, les amis, c'est la fin de cette patrouille ainsi que de cette vidéo. Enfin, de cette patrouille, non pas, parce que c'était pas une patrouille, c'était une garde de SAMU. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Drixis, prenez soin de vous et ciao, bye bye.